Alors, direction le jeu suivant, je fais un retour sur le Red Chili Wins. Alors, c'est clair que la balance s'est quand même pris une tarte sur la partie précédente. On est repassé dans le rouge, donc c'est clair que sur le jeu Fruits and Clover, il y avait quand même. Enfin, j'avais fait des prises de risque avec des mises assez élevées. Donc, voilà le résultat. Grosse torchade, on repasse dans le rouge. Enfin, c'est les règles du jeu. Ça aurait pu éventuellement rapporter du win si le jeu avait été généreux. Alors, petit rappel des règles, un joker. Il peut apparemment multiplier les wins. Alors, 9 lignes de paiement. Allez, c'est parti. C'est clair que la partie précédente bascule entre des mises à 20, 40, 60, 80, 100 euros, tout ça. Ça n'a pas payé, ça a flingué les crédits. Bon, il y a quand même eu quelques wins chanceux, mais bon, par la suite, c'était de la torchade. Alors, un win à 300, d'accord, pour une mise à 20, c'est pas mal. Allez, tentative. Avec des mises à 50, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, de toute façon, bonne ou mauvaise idée, c'est pile ou face. Alors 375. Oh, du 7. Alors 1000 balles pile poil. Alors 8000, on repasse du coup dans le vert car il y avait eu deux dépôts de 4000 balles pour ce challenge. Enfin, on repasse dans le vert, j'imagine que voilà, ce fut très très bref. Tant qu'on est au-dessus de 8000, on est dans le vert. Hop, en dessous de 8000, c'est en négatif. Alors, mise à 50 balles le spin, ça c'était encore pas une très bonne idée pour le moment. Alors, est-ce qu'on va avoir du joli win? De la jolie torchade, là c'est ce qui est en train de se produire. Alors, spin chance ou spin pas de chance? Voilà, apparemment pas de bol. Alors on va quand même se calmer sur les mises. Des mises à 30, c'est peut-être un petit peu mieux. Alors le Red Chili, le multiplicateur, celui-là on le voit pas très souvent. Alors série de spins perdant, on reprend le risque de jouer avec des mises à 50. Eh ben ça c'est dommage, rouleau 2, rouleau 4. Voilà, ça aurait été un sacré jackpot. Ok, 5 ça paye 12 500, d'accord.
Il y avait combien de lignes déjà? 9 lignes. Ah ben d'accord, ça aurait fait à peu près 100 000 balles, ok. Là, je me suis attrapé un arrêt du cœur direct devant l'ordi. Alors, je vais quand même rester sur des mises à 50 jusqu'au prochain win, mais bon, espérons que le win soit en conséquence. Alors, x 3 x 1. Ok, ça paye de façon adjacente, donc 300 balles. Alors, x5, x1, big win. Bon, ben, c'est pas mal, c'est quand même sur une mise à 30. Donc, alors, on va voir. 825 balles. J'avais commencé la partie à 7000 et quelques. 6647 actuellement. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup de reprendre un risque avec des mises à 50? Alors, pas mal, 375. Est-ce qu'on peut faire mieux? Enfin, faire mieux, c'est difficile. Faire pire, c'est facile, mais faire mieux, c'est quand même plus difficile. Alors, on va voir. Alors, ultime tentative avec des mises à 50 pour renflouer la balance. C'est pas très efficace apparemment. Ah ouais, d'accord, sinon en plus je me retape une série de spins perdants, c'est mal barré. Je vais quand même attendre le prochain win sur des mises à 50 avant de rebaisser les mises. Donc espérons que ce soit un beau win. Enfin déjà, faut encore attendre que le win il se manifeste. Ça c'est une autre histoire. Et ouais, toujours rien, toujours rien. Spin perdant sur spin perdant. Alors, rien du tout. Spin à 70, bon, on va tester, hop. Alors on attend le win ultime. Ben voilà, hop, 1050. Allez, retour sur des mises à 30. Oh, joli. Alors 675, 6827. Allez, c'est reparti, mise à 50, on va voir. Bon, bah, de toute façon, c'est le hasard, il suffit d'un beau win pour enfouir les crédits, puis il suffit de longue série de spins perdants pour tout flinguer vite fait. Alors
Spina 50, que dalle. Spina 70. Quel va être le premier win qui va sortir? Alors, le chili et le multiplicateur seraient pas mal s'ils pouvaient se manifester. Voilà, actuellement, je suis toujours sur la série de spins perdants, donc. Donc, calcul scientifique. Allez, on va faire hop des mises à 100, puis on va attendre que le premier win se manifeste en espérant que ce soit un joli win. Alors, les séries de spins perdants, ça peut pas durer quand même une éternité. Enfin, quoi que des fois on se demande. Là, c'est un win cacahuète. Alors, prochain win, on attend. Oh, x5, x5. Bah, tant mieux. Là, franchement, du coup, 1 x 10. Bouh, soulagé, attention artérielle qui redescend. Alors, x10 sur un spin à 100 balles. Super win. Bon, ben là, soulagé quand même. Ouah, bah. Allez, méga win. Bon, après ça, ça arrête de partie. Puis je pense, là, c'est la dernière partie de la journée. Ok, 6250. On repasse sur une balance à 5 chiffres. Là, ça crée coup de bol. Chatasse de chez Chatasse. 6250 balles. Adjacent pays, hop, avec 2x5, là, c'était inespéré, j'avais les yeux rivés sur les crédits, je me disais, tiens, ça y est, c'est peut-être la dernière partie, ou peut-être que je vais garder un peu des cacahuètes pour un autre jeu. Mais là, c'était mal barré, c'était plutôt très risqué, mais enfin, coup de bol, 6250 balles, là. Alors, les raisins, ouais, c'est un symbole qui est pas trop mal. Bon, bah en tout cas, c'est cool. On repasse donc dans le vert, hop, à ce niveau-là, dans les plus moins gains. Merci le Red Chili Win. On avait quand même commencé à 7017. Et ouais, 10297, ça fait un joli bénéf. Bon, bah en tout cas, quand même, je pense que sur les prochaines parties, je vais rester sur des mises à 20 ou à 30 balles. Mais là, les mises à 50, 110 ou 100, je pense que je vais oublier pendant un moment car c'est quand même risqué. Puis là, c'était direction triple 0 pointé. Bon bah sur ce les amis, fin de partie, donc là c'est la dernière de la journée, parce que là franchement, je m'en suis mis une couche au cerveau bien comme il faut, donc arrêt de partie, éventuellement je réattaquerai soit demain ou éventuellement après-demain, enfin on verra. Ok, bah petit miracle, c'était quand même joli, donc merci le Red Chili Wins, merci au x5, au double x5. Bon bah sur ce, rendez-vous très prochainement pour la partie numéro 34, puis on verra donc. Ce que ça donnera, mais on prendra moins de risques. Allez, la bise à tous, à très bientôt!